get that bag, then I'm running. I get that bag, then I'm running. I get that bag, then I'm running. Shawty, she know that she wanted. Faute de solution, au niveau de sa paupière. Grave erreur. Les qualités de relance d'Amdaoui sont énormes. L'arrière rapute Morino avant d'imposer un petit cadrage débordement à la phase. Il conclut finalement sa course de 60 mètres par un effet. Tel un trois quarts centre, il fixe la défense et peut donner à son arrière Kylian Amdaoui venu se proposer à hauteur. Amdaoui évite le retour de Toutaya et marque entre les perches le deuxième essai. Quelques minutes plus tard, une nouvelle attaque bien retournée, cette fois-ci sur la ligne médiane. Lucou renverse, Kylian Amdaoui crochette, passe, résiste à 1-2 plaquage et se fait la malle, un dernier cadrage débordement. Et toute la défense bayonnaise est emportée sur cette action, cet exploit individuel de Kylian Amdaoui. Biarritz mène 24 à 12. Lucou joue vite et se fait la belle au cœur de la défense du RCNM. Il a l'intelligence d'attendre son soutien face à l'arrière et Amdaoui arrive plein gaz pour aller marquer en vitesse le deuxième essai des siècles. Le break est fait pour les hommes de Darek Carrère et Auguste qui mènent 17-3 après transformation de l'efficace Lucou. Aussi avec du Lucchelli qui a fait percer à la 3/4 pour transpercer le rideau montois derrière la transformation du jeu. Et Amdaoui excellent tout au long de cette première mi-temps, dynamiteur de défense. Qui inscrit en solitaire le deuxième essai pour Biarritz. Le Maurice Prott qui prend le coup de pied par-dessus la défense gagne plus le troisième rideau chez les Sapiakas. Le rebond retourne dans les bras de l'arrière Amdaoui qui récompense cette combinaison en allant marquer l'essai du bonus sous les poteaux. Avec la maîtrise de leur jeu et en pleine confiance, on va revoir ce troisième essai de ces Biarritz. Biarritz n'a plus que le bonus défensif à viser et l'USC, sûr de gagner, se relâche un peu en fin de partie. Kylian Amdaoui en profite allègrement et c'est exceptionnel de l'arrière du BO qui mérite bien quelques ralentis. L'action, Lucu, Romax, Souza et Jiménez se passent la munition et écartent vers Amdaoui qui en coin va aller gagner son duel délié avec Ratine. Mais il en faut plus pour déstabiliser les arrières basques. Après Davis, c'est Amdaoui qui fait apprécier ses qualités de rafuteur puis de sprinter. Lucu ne tremble pas face à Amdaoui réceptionne, l'arrière bien roux accéléré, il laisse la défense adverse sur place. Un 2 contre 1 bien négocié, il sert un Rodney Davis et c'est pour le BO à la sirène. Vaca puis Amdaoui allume alors la première mèche, pénétrer dans les 22 mètres et attendre un peu seul le soutien de la cavalerie. Timon Lucou va faire le fils d'éjecteur à la place de son frère. Celle-ci s'écroule, mais le ballon sort pour Lucu. Le demi-mêlé repère son ailier, le jeune Sagardia sert de relais et Amdaoui inscrit son 8e essai de la saison. Sublime inspiration au pied du demi d'ouverture qui trouve Amdaoui derrière les perches pour le 2e essai de ce match. Mais cela n'empêche pas les Biarrois d'attaquer pied au plancher. Après avoir récupéré le ballon dans leur camp, les Basques enchaînent avec notamment cette percée de Amdaoui. Heureusement pour les Basques, l'arrière Kylian Amdaoui récupère et aplatit pour sauver l'action d'essai. Le numéro 15 sent le bon coup. Il file en vitesse jouer le renvoi au 22. Repris, il va servir son centre Delay qui fait office de pivot pour son ouvreur Le Boris. Perpignan qui va pousser tous les poteaux parisiens mais qui va se mettre à la faute. Là, il est rapidement joué à parler parisien. Par nous le dit un petit peu. Il prend son temps, il est contré par Amdaoui. Premier match pour le maillot qui n'est pas français. Le deuxième essai parisien. Attaque s'organise. Amdaoui relance depuis ses 22 mètres. L'ailier s'engouffre dans la défense cantalienne. En profitant d'un bon ballon de Benoît Badi pour allonger la foule et résister au retour du demi-mêlé des visiteurs pour marquer le premier essai des siècles. Yeah.
contrer ce contre-rock des Biarrois. Maxime Lucu qui fait les bordures. Et il arrive à passer les bras définitivement pour Kylian Mbappé. Personne pour le troisième rideau, troisième essai pour le BO. Qui brille pour son dernier match à Aguilera. Et le BO reprend son avance confortable au tableau d'affichage. Belle mêlée, on prend les mêmes et on recommence. Manuto et Lucu qui sert Hamdaoui, et cette fois-ci, à l'arrière du BO, se joue en solo de la défense au doigt. Sur porte-assin, et regardez cette belle inspiration de l'ouvreur Biarro, la fin de passe et surtout cette passe à l'aveugle décisive pour Kylian Mbappé et le premier essai basque de la soirée que l'on revoit sur ce ralenti avec ce magnifique geste de Fabien Fortassin, un essai transformé 10 à 7 pour le BO. La sortie du ballon vers Jules Plisson après une redoublée avec Jonathan Danty pour Kylian Mbappé à l'arrière intercalé vient marquer le deuxième essai parisien de la partie. Son troisième essai personnel à cette saison. Le demi de mêlée est éliminé à la course, mais ce n'est pas fini pour autant. Mbappé va vite, il est plus rapide que Gaston et aplatit le troisième essai de ce match. Un essai qui permet au BO de repasser devant au score. Biarros sont dans un temps fort et en profite avec Kylian Mbappé qui va accélérer au milieu du terrain. Il prend de vitesse le troisième ligne Gorcio Aya pour aller pointer dans l'embut. Un nouvel essai comme celui-ci est transformé par Maxime Lucu. Les Biarros vient d'inscrire 14-0 en 3 minutes. Fabien Fortassin, petit coup d'œil, petit coup de pied dans l'arrière-garde massicoise et Kylian Mbappé surgit pour un nouvel essai. Un doublé pour l'arrière du BO.